Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre 16e partie sur Assassin's Creed Syndicate. Et maintenant, nous allons continuer notre aventure en entamant la mission principale donnée par cette dame assise tout seule au beau milieu de nulle part. Miss Disraeli et son cocher. Marianne Disraeli veut visiter Devil's Acre et demande à Jacob, son nouveau garde du corps, de l'y emmener. Ouais. Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse grouille de journalistes friands de scandales et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un de si. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Desmond? Hey! T'es pas sérieux, Desmond! Trouver un moyen de distraire les journalistes, ok. Alors, ma chère, est-ce que c'est toi la vendeuse de journaux? Bon. Tiens, débrouille-toi pour que ces hommes là-bas me suivent. D'accord, monsieur. D'accord, c'est elle! D'accord. What? Mieux vaut que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièces. Pire les journalistes, d'accord. Wow, c'est parfait. Donne-moi ton chien sale. Ben, je veux dire ton cheval sale. Qu'est-ce que j'ai là, chien sale, what the fuck? J'ai dit n'importe quoi. Bon, j'ai fui les journalistes, alors je peux descendre de là. Je suis vraiment désolé d'avoir cambriolé ton chariot, mon gars. Bon, rejoindre la voiture de Miss Disraeli. Salut, bébé. Félicitations, jeune homme. Dizzy devrait faire appel à vous pour s'occuper des libéraux. Bien, je crois qu'il... Quoi? T'as pas fini de parler? Oh, je suis vraiment désolé. Je savais pas que t'allais arrêter de parler si je monte dans le véhicule. Dans la voiture, c'est la femme du premier ministre. Bah! Personne ne doit me voir ici, Mr. Fry. Ok, boss, t'inquiète, je vais fuir le secteur dans quelques instants. Voilà. Escortez Miss Disraeli jusqu'au Devil Acre. D'accord, c'est parfait. Pas de problème, on va t'amener là-bas et tu vas boire comme une petite folle. Tâchons d'éviter, c'est vautour. C'est maudit vautour, tu l'as dit, Boopy. Wow, il est rapide en maudit ce gars-là. Et il a abandonné. Bon, je sais pas pourquoi il a abandonné. C'est pas comme s'il y avait des obstacles partout, voyons donc. Oh boy, oh boy. Peut-être qu'il se fait pas payer assez cher pour poursuivre le monde. On sait jamais. Voilà, arrivé à destination. Allez, ralentis. Oui, c'est ça. Ok, bon. Évitez d'être détecté par les malfaiteurs dans les taudis. Ceci est mon défi, et là je dois l'escorter dans les taudis. Pourquoi on mâche? Oh, quel endroit! Donnez-moi le bras, Mr. Fry. Et voyons ce que nous réserve The Devil's Acre. Bon, je dois la protéger, d'accord. En ce moment, on dirait que je contrôle la madame. Oh, oh sale vagabond. Attention, le chien de Miss Disraeli grogne quand un danger. J'ai pas pu lire. Desmond aboie lorsqu'il Votre est... Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Ni les chats. J'ai remarqué ça. Bon, ok, on va faire ça de façon discrète. Est-ce que tout va bien? Oh oui, je viens simplement d'apprendre à siffler. Bien entendu. Oh non, 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 j'ai été détecté. Fuck, j'allais l'avoir en plus. Ah, man. Attends-toi là, tu vas prendre une mort souffrante. Tiens, voilà. Oh, dans ta gueule. Tossé, c'est fini pour toi. Ah, je suis vraiment désolé, madame Disraeli. Vous voyez des choses qui ne sont pas très catholiques. Oh, yeah, yeah, tiens ça. Et voilà. J'allais dire que j'allais jeter un couteau dans sa gueule, mais je me suis trompé de bouton. En fait, j'ai utilisé le mauvais combo. Que diriez-vous d'assurer la cohésion de la partie au Parlement? Non. Attendez une seconde, c'est pas fini. Si je sors mon gun, peut-être que j'ai plus de portée, hein? Wouhou! Attendez une seconde! Leur administrer une leçon, Mr. Je vous admire, Mr. Fry.
machine. Je vous vois. Êtes la terreur des bas-fonds de Londres. Allons. Bon. Oui, je sais, la terreur des bas-fonds de Londres. Tu l'as dit, Bouvy. Allez. Mr. Fry, j'ai bien l'impression que cet homme est libre. J'espère que c'est le cas, madame. Je vais lui demander ce qu'il voit. Laissez-moi plutôt vous recommander quelque chose. Ouais, j'ai complètement foiré mon coup. Mais bon, c'est correct, ce sont des défis optionnels. Mr. Fry, regardez ces deux-là. Oui, je crois qu'ils... J'ai été mariée deux fois, Mr. Fry. Je sais reconnaître ce genre de choses. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, évidemment. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Ah, du rat peut-être? Je ne veux pas être indélicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux Wanton. Salut, petit chien. Donc, ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Joli chien. Joli chien. J'arrive pas à croire qu'il a volé le sac avec le chien. Quel enculé, oui. Oh, beaucoup de tonneaux ici. Et vous savez, j'arrive pas à croire que la madame, la Miss Disraeli, a continué à sortir avec moi quand j'ai assassiné des tas et des tas de personnes devant sa gueule. Bon, en tout cas, elle aime les hommes virils, ça se voit. Oh, je l'ai vu, hein? J'ai quand même vu quelque chose de jaune. Oh, ok, attends une seconde. J'aurais dû l'assassiner de loin. Bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Tu viens tout juste de t'en rendre compte, mon gars. Ben, je suis qui pour parler? Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui, comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Regardez qui voilà. C'est notre promeneur de chiens. Oh. Allons. Ne nous fâchons pas pour si peu. Non, 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 on va se fâcher. Let's go. J'ai pas attaqué ceux qui... ceux qui étaient à table, mais j'attaque ses frères. C'est pas fini. Tu sais quoi, on va utiliser une attaque de Pokémon pour en finir super rapidement. Et voilà, il y a encore ça. J'arrête pas de les gunshot comme des fous. N'est-ce pas magnifique? Bon, on va fuir le secteur. Bon, alors John le Branc ou John le banquier, whatever, je l'ai épargné, n'est-ce pas? J'ai pas joué avec lui. Bien, je vous remercie pour cette soirée aussi revigorante qu'instructive, Mr. Fry. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en tenue de hussard? Oh, bien sûr. L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est d'un ennui mortel. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster. Mais soyez prudent. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Taxi Bouboule, à votre service. Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh, quel joli langage. Oh.
Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirais le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh, oh oui. Donc tu vas admettre à ton mari que tu l'as trompé avec un autre homme. Bon. Oh, j'ai pété mon défi. Bon, c'est correct, là. Fuck that shit. Et c'est parti pour la deuxième mission de la journée. Faut juste que j'y arrive. Prends son temps à descendre, hein. Ça me fait perdre du temps, méchant bonhomme. Oh, salut Grigny, comment vas-tu? Changement de plan, la quête du Suaire d'Eden prend une nouvelle tournure pour Abby. Let's go. Vous voulez bien me rappeler où nous allons? J'ai trouvé une lettre du prince consort dans les papiers de Lucy Sorn. Elle porte le même emblème que votre clé. Et elle date de 1847. 1847? L'année même où le prince a lancé des rénovations à Buckingham Palace. Il fait bâtir une crypte pour le Suaire. Et comme aucun plan du palais ne fait mention de cette fameuse crypte secrète. Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Evie Fry? Miss Fry, le Maharaja du Lip Sing. Un plaisir, Votre Altesse. Mon ami, les plans que vous cherchez ont été déplacés. Déplacés? Par qui? Crawford Starrick, ou l'un de ses employés. Oui, je savais que ce nom vous serait familier. Je sais où ils se trouvent, mais ils sont sous bonne garde. Il en faudra plus pour m'arrêter. Je m'en doutais. Nous aurons besoin d'un plan. Je peux m'arranger pour attirer l'attention des gardes pendant que vous entrez. Oh, vraiment? Pour vous, Evie, j'en serais ravi. Bien. Je trouverai quelqu'un qui saura où sont ces documents. Et nous nous retrouverons à bord du train. Sois prudent. Reviens en vie! J'ai besoin de toi le soir! Oh, il est déjà là, il est fort! Bon. Alors. Personne! Oh, y a une armée de rogues qui est là! Ok, on va aller les chercher. Attendez une seconde. On va descendre tout doux, tout doux. Et c'est quoi ce défi? Utilise deux fois la diversion d'Henri. Mais comment je le fais utiliser sa diversion? Est-ce qu'il faut que j'aille proche de lui ou quelque chose? Vous n'êtes pas trop âgé pour une bonne fessée. Attends, tu sais quoi? Les gens comme toi ne sont pas. Et hop! Attaque tes amis! Le gros là, je vais attaquer le gros là. Yop, toi aussi. Bien fait. Mais honnêtement, comment je fais pour utiliser la diversion d'Henri? Je vais aller en haut, voir qu'est-ce qui se passe. Alors mon cher Henri, tu fais une diversion oui ou non? Quel est le plan? À votre signal, j'attire les gardes. Puis j'utiliserai une bombe fumigène afin de m'enfuir. Et moi je profiterai de la confusion. Prêt? Absolument. C'est pas un petit peu trop tard? Bon, en tout cas, je vais juste ouvrir le coffre. Ce qui est fait est fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais j'ai un plan d'amélioration. C'est génial, oui. Et en passant, j'ai oublié de vous dire que j'ai foutu une compétence chez Evie. Ce qui fait en sorte que lorsque je ne bouge pas, je deviens quasi invisible. Je sais pas comment elle fait ça, mais waouh. Alors, le deuxième coffre se retrouve ici, je pense. Oh, 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 t'as rien vu? Voilà. Il n'a plus rien à dire. Oh! Ok, on va se battre contre lui. Voilà, tout doux. Il y a plein de petits chiffres qui bougent partout et ça me fait peur. Oh! Oh my god! Ok, vous venez tous pour m'attaquer. My god. Ah, tiens, attends. Oh! Et c'est fini pour lui. Encore un dernier coup. Bah, encore un autre coup là. Parce que là, il y a d'autres bonhommes qui n'arrêtent pas de venir de nulle part. Et encore d'autres bonhommes. Wouhou! J'ai complètement foiré mon coup, mais c'est correct. Pow! Et t'es pas menaçant si tu sais. Oh! T'as osé me faire ça? Attends, tu vas avoir une mort souffrante, toi! Tiens! Ouais, salut, Rook. Comment vas-tu? Aide-moi! Aide-moi! Fais quelque chose! Fais quelque chose! Hé, hey, le gros lard! Fais quelque chose pour moi! Voyons donc! Bon, ok, il se bat. C'est cool. Nice! Non, gunshot pas toi. Oh boy. Il allait me tuer ce gars-là.
Bon, on a tué tout le monde. C'est parfait. Maintenant, on va juste aller chercher la boîte qui se retrouve en haut. C'est un coffre, désolé. On va chercher le coffre. Et voilà, j'espère que c'est le bon truc. Oh non. Oh tabarnak. J'ai pas de plan, rien. Méchant, oui. Bon ben, j'ai pas pu utiliser Henri malheureusement. Peut-être qu'il fallait que je lance une bombe fumigène et c'est ça le signal. Je sais vraiment pas. Mais bon, c'est trop tard. Fuck that shit, on n'a pas besoin de lui, c'est un petit noob. On fait tout par nous-mêmes. Et hop. Tout doux. Allez, ouvre ça. Ouvre ça, voilà. Rien ici, je vais devoir demander à quelqu'un où sont ses plans. Oh, enlever un templier proche. Est-ce qu'il y en a ici? Oh, bien sûr. Oh shit, oh shit, oh shit. Ok, nice, nice, nice. Je croyais qu'il allait descendre. Okay, voilà. Je vous le jure, miss. Je ne sais pas où on l'a emmené. Emmené qui? L'homme habillé comme vous. Les gardes l'ont attrapé. Henry, les plans que vous avez volés, où sont-ils? Je ne sais rien à ce sujet. Les plans, la mission. Fallait attendre qu'il finisse de parler pour pouvoir l'attaquer. Oh boy. Bon. Alors maintenant, il faut trouver Henri. Henri, mon chéri! Enquêtez sur la disparition d'Henri. Ouh. Oh, mais je voulais le chercher, mais... Ouh, d'accord. Je comprends maintenant. Vous savez quoi? Quoi? Oh! Protéger l'habitant? Ben... Non, je m'en fous de l'habitant. Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry. On n'a rien pu faire. Mais quand même, j'en ai mordu un. Ils l'ont emmené dans une voiture rouge. Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. De bouteille, et pas ça plus se utile. Voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Oh. Si tu le dis, Buffy, ça veut dire que j'ai pas besoin d'examiner tout ce qui se passe ici? À moins que ceci... Est-ce que c'est pour une autre mission? Je ne sais pas. Attendez une seconde, on va essayer de fouiller son corps. Ça ne marche pas. Oh, ok, moi je peux plus rien faire avec eux, alors je vais tout simplement partir. Ce doit être la voiture, je l'ai trouvée. Oh. Maintenant, Henry. Ok, j'ai couru pendant des minutes et des minutes, j'aurais dû prendre un char et puis m'envoler jusqu'ici. Mais non, fallait que je fasse mon con. Je ne peux rien vous dire à propos de la voiture, mais il s'est passé de drôles de choses par ici aujourd'hui. Toutes sortes de gens louches et je pèse mes mots. Jusqu'aux dents. Je n'aime pas ça. Moi non plus, je n'aime pas ça. J'espère que tu vas pas alerter. Oh! Non, t'as rien vu! T'as rien vu! Oh my god! Toi aussi, t'as rien vu, sale templier de merde! Et voilà, c'est fini pour ce mec-là. Maintenant. Oh, d'accord, il y a quelqu'un qui est en surbrillance. En jaune, bien sûr. On va lancer une petite bombe ici. Et voilà! Oh, dans ses couilles! Oh, ça doit faire mal! Ok. Oui, ils l'ont sorti de cette voiture. Fin sou qu'il était. Ils l'ont porté dans la cour de l'église. Peut-être qu'il cherchait un endroit où dessouler. Dans la cour de l'église, c'est-à-dire ici. Gunshot dans sa gueule! Ouh, ça fait mal, oui? J'aurais juré que j'avais fermé cette porte. Elle est censée être fermée. Encore des gamins qui se sont amusés, sûrement. Mais elle est fermée. The fuck? Il est en train de dire n'importe quoi, ce gars-là. Bon. Alors maintenant, on va descendre ici. Et je suis sûr que notre cher Grimmy se retrouve dans les égouts avec des rats sales. C'est pas bon pour la santé, ça. Oh! Un de moins. Attendez une seconde. Il y a un autre ennemi là-bas, je suis prêt pour lui. Je vais prendre un couteau. Et là... Hop! Oh! C'est que je suis méchant, oui. Oh! Voilà! Je suis en train de lancer des couteaux partout. Et c'est ça, viens à ta mort, mon gars. Bon, je viens te sauver, mon petit Grigny. Ouais, c'est toi la femme dans la relation, ça se voit. Ils ont envoyé quelqu'un chercher les plans des rénovations. Vous les avez? Ils vous ont fait mal? Tout va bien. Partons. Non, pars pas, il y a un coffre. Non! Prends le coffre.
Voilà, tuer les gardes à l'aide de tonneaux suspendus. Bon, on va essayer de compléter ce défi, pourquoi pas. Et hop! C'est fait! Attention là-dessous! Wow, comment il y a... Oh, c'est ça, courez après lui, c'est bon. Courez. Il n'y a pas de tonneau? Dommage. C'est bon, on va utiliser une attaque de Pokémon. Wouh! Ça attaque pas mon petit Grigny, alors c'est cool. Encore une autre attaque de Pokémon. Wouh! Encore une dernière attaque. Et tout le monde va mourir. Non, je vais faire l'attaque. Non, j'appuie sur triangle pour utiliser mon truc là, ma grenade. Mais là après, ce qui arrive c'est que j'utilise mon finishing move là. Ça fait chier dans le cul. Les tireurs là-haut? Qu'est-ce que tu dis là? Il est folle dans la tête toi. Bon, en tout cas, c'est correct. Dis-moi pas que tu vas le tuer. Il a rien fait. What? Oh non, dis-moi pas que ça va exploser mon gars. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas, il est allé là-bas pour le plaisir, il a rien fait du tout. Et non, arrête de te faire repérer mon gars. On va essayer d'appeler des Rooks. Allez, Rooks, venez. Ah, dommage, je peux pas amener les Rooks. Mais ils sont là pour me sauver la vie, alors c'est correct. Oh, Grigny. Oh, il s'est téléporté là-bas. Mais je l'ai pas vu se téléporter, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a bougé super rapidement. C'est un vrai fuyard, ce gars-là. Ah. J'ai pas pu compléter le défi, malheureusement. Allez montrer ça, Miss Nightingale. Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green. Après que j'ai vu que c'est une fillette, je me suis dit, fuck lui, je veux pas rester avec lui. J'ai été con de tomber amoureuse de lui. Oh wow, tu t'es téléporté dans un endroit sexy, oui? Eh ben. En tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Assassin's Creed Syndicate. La prochaine fois on va faire la mission qui se retrouve dans le train, je pense. Puisqu'on doit se retrouver dans le train. Ok, non, il faut faire cette émission, motion de confiance. Mais bon, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!